tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer à Minecraft, la série à laquelle on voit les bases de Minecraft. Aujourd'hui, c'est votre spécial, je suis en créatif et c'est bien voulu parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle mise à jour de la 1.13. Donc, on peut voir tout de suite que l'eau est différente avec les coraux. Wow! J'ai pris plusieurs essais avant que je pogne un biome océan. Plein de nouveaux blocs qui se sont ajoutés bleus. Ici, des blocs de corail. Ici, du corail, tout ça. Bah, sur du corail. Ici, il y a eu des affaires qui ont été ajoutées, des plaques. Oui! Des plaques de pression de différentes couleurs pour s'adapter et même des boutons pour être pour adapter à chaque bouton à chaque texture parce que pour camoufler les pièges hein? On s'entend de ce côté-ci il n'y a pas grand chose ici on voit tout de suite un œuf de tortue qu'on va tout de suite faire mais ceci c'est un œuf que vous allez voir plein de nouveaux de nouvelles choses. T'as un fantôme. Plein de nouveaux œufs. Aujourd'hui. J'ai eu de la misère à partir aussi à 1.13. Hein. Juste pour vous dire, là, j'ai dû redémarrer l'ordinateur pour pouvoir réussir pour démarrer à 1.13 convenablement. Sinon, tout ça. Il roulait même pas. Je me disais, mon jeu, faut vraiment avoir un ordinateur puissant maintenant pour avoir non, c'est correct. Ah, mais tu vois les performances, non, ça change rien. Je comprends juste pas pourquoi que ça fonctionne pas, j'ai désinstallé pour rien installer, ça n'a pas fait grand chose. Sachez que ceci. D'accord. Allez, j'ai des souffrances. Si j'ai réussi. Ceci, c'est un fantôme. Le fantôme a été voté en grande majorité. Puis le fantôme, tout le monde l'a sûrement voté parce qu'on veut plus de contenu. Ensuite, je votais lui. J'ai pas voté, mais je votais lui, moi, d'ailleurs. Parce que je pense que c'était pour les fonds marins. Mais finalement, je suis déçu qu'est-ce qu'on a fait, par contre. Il apparaît quelqu'un que ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi. Eh oui. Noyé. C'est sûrement ils ont vu noyé. Eh ouais. Voici à quoi ressemblent les zombies noyés. Mais sachez que c'est très normal que ça fasse ça. Qui donne juste la chair. Pétrifié. Quand je dis que c'est normal, c'est que les poissons rotent aussi. C'est pour ça que je dis que c'est totalement normal, parce que les poissons aussi rotent. C'est un mécanisme bien normal. Ça, je peux vous dire. Parce que j'ai déjà appris ça. C'est un mécanisme bien normal que les poissons ont. On sait plus c'est quoi la raison. Mais c'est un mécanisme bien normal. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une potion comme cela. Et une potion comme cela. Ah! Tortue. Puis si on marche dessus, on peut briser les œufs en marchant dessus. Waouh. Ça c'est.
Du petit poisson. Coloré. Tortue. Voici à quoi ressemblent les tortues. Ensuite, mettre un bah, ça, j'étais sur ma manette déjà. Mais ce qui n'était pas disponible. Ça, ce n'était pas disponible, les chevals zombies. Il fallait absolument avoir un code pour pouvoir en bénéficier. Bah, pas un code, mais savez ça là. Il fallait ça absolument. Voici le squelette, le cheval squelette qui est un poney pour l'instant. Ça m'étonne quand même, je pensais pas que ça aurait été des poneys. Oh, ça fait de la lumière. Je découvre des choses quand même en ce moment. Voici les concombres de mer. Les cornichons. Les concombres, cornichons. Puis coraux, on dirait que ça fait de certains coraux fait de la lumière. Ensuite, le poisson tropical. Puis quand on parle, on peut voir les poissons. Ah, vous voyez? Et voilà. On peut pêcher de même, puis on a exactement le bon, exactement le poisson qu'on voit. Mais si vous pêchez à l'ancienne, par contre, vous n'avez pas pogné le poisson. Tout de suite. Et maintenant le dernier. Vous voyez, je viens d'avoir ces poissons qui permettent d'avoir la respiration sous l'eau. On va faire un banc de poissons. Puis ça grossit pour vrai. Ouais, qu'on est en survie là. Waouh! Voyez? Puis y a pas trop s'approcher d'eux. En plus. De faire un bel exemple. Voici qu'est-ce que ça ressemble. C'est bien. Puis en plus de ça, en plus d'avoir tout ça, là on a vu un peu de choses, on n'a pas tout vu. On est loin d'avoir tout vu. Il y a même des icebergs et des épaves. Les icebergs, je pense pas qu'on va pouvoir le voir parce qu'on est plutôt dans un biome tropical. Et tous ces coraux-là, c'est sûr qu'on est plus dans un biome un peu plus tropical. Des navires échoués. Échoués non, mais des épaves de navires, il y en a sûrement quelque part. Beaucoup de cratères comme ça. C'est tellement beau les nouvelles musiques. Je vous le dis, là, c'est les nouvelles musiques sont beaux.
c'est beau. Les fonds marins sont beaux. Je vais laisser profiter volontairement de la musique. Pour ça que je parlais pas, puis que je me promenais un peu. Je trouve ça au plus vite demain. D'une certaine façon, on va plus vite. D'une autre façon, on va pas plus vite. Honnêtement, je suis pas déçu de cette mise à jour là, je suis bien content. Alors, on va retourner où qu'on est, nous étions. C'est parce qu'il n'y a pas d'épave. C'est dommage parce que on se croirait quasiment safety. Quelque chose de safety, c'est le cas de le dire. Puis oui, il y a une épave en disant ça. Est-ce qu'on peut trouver des cartes autres? Oh, mais de côté en plus. Oh, ouais. Ça y offre rien. Des fois, ça peut être un cimetière d'épave. Hein. Ah! On a du bon stuff comme trésor. Qui est très bien. Comme je dis, on peut avoir des cartes au trésor puis chercher des trésors. Comme dans Safety! C'est incroyable, c'est une très belle mise à jour que Minecraft a fait. Il y a même des dauphins. Ah oui! Ceci, c'est des pièges. Oui. Oupala. Ça c'est vraiment des pièges. Hein. La dynamique de l'eau a vraiment changé, ouais. Elle a pas 100% changé, mais ouais, elle a quand même changé. Absolument, et si ce serait vide. Là, je nage comme si rien n'était. Parce que ça, c'est du magma. Le magma qui était ajouté, je pense, un droit à 1.12. Puis, tu peux rester coincé. Du diamant. Diamant à la couche. J'ai tout ça, mais à cause de 12. Faut faire attention à ceci. Puis ça, ça me fait penser à une autre affaire que je veux vous montrer. Le sable d'Orny. Qui fait complètement le contraire. Vous voyez? Lui, il fait un courant ascendant. Ça, c'est descendant. Puis là, lui, il fait créer un courant ascendant. C'est incroyable, la mise à jour. On faut faire attention à ceci. Puis en dessous, il y a de la lave. Comme qu'on a pu voir. Ah, t'as même du sable qui peut tomber aussi. Oh, ouais. C'est tellement une
belle mise à jour qu'en fait. Ouais. Oh wow. Wow, faut que je réussisse à en essayer un autre. Ok, il y a deux essais. Ça, c'est un bloc. Ça, c'est pas. Oh, wow. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Et je me demande une chose. Si je fais. Ah. Dommage. Non, là, là, c'est le fun. Ah, waouh, c'est incroyable. Waouh, je savais pas que quelqu'un avait ça. On peut faire ça. Je ne le savais pas. J'avais vu ce cratère. Incroyablement profond dont nous sommes à couche 11 couche 11 jusqu'à la surface. Wow, non, très belle mise à jour, ça je peux vous garantir là. Très belle mise à jour. Ma jungle, bravo. Voici un noyer naturel. Un zombie noyer naturel. Il coule puis il se noie. Ah là, c'est effrayant. Comme bruit. Il faut que je l'essaye. Faut que je l'essaye. Ça, c'est un zombie. Il coule. Attendez, ça ne reste plus sur l'eau. Ça coule maintenant, les zombies. Et comment ils se noient? Juste ça? Ah oh ouais, c'est juste ça. Eh ben, je pensais pire que ça. Qui dit zombie noyé, qui dit structure. Mais c'est dommage que je vais pas vous montrer les cartes. C'est dommage. Dès que. Non, il y a même pas de la. En dessous. Ah c'est. Oh y en a pas. Parfait, mais c'est. J'espère que ça soit notre sauveur, c'était pas là. Eh non, ce n'est pas notre sauveur. Ça aurait été bien par contre. D'accord. J'ai vu tous ces animaux là, en même plat. J'ai trouvé un autre navire. Similaire à l'autre. Le premier. Ha!
On peut même avoir de l'expérience. Waouh. Je m'y attendais pas du tout. On peut avoir de l'expérience. C'est la première fois que j'en vois un pour vrai, là. Moi, c'est déjà une nouvelle mise à jour, mais. Première fois que j'en vois un. Ah, nous sommes dans un. Ça fait... Parfait. Le biome à cimetière, on joue peut-être. C'est le deuxième que je vois. Voilà, une carte au trésor. Ah, je suis proche. À manger. Ça fait vraiment penser à Septive. Vous n'avez pas idée comment ça me fait penser à Septive, ça. On détruit tout. Le croix indique l'emplacement du trésor approximatif, je dirais. Je suis bon pour chercher André, je suis bon pour chercher des trésors en Septive, mais pour les trésors dans Minecraft, ça, c'est une autre histoire. Ah, j'ai trouvé le coffre, mon jeu. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que ça, c'est du trésor. Bon, c'est le moins pire, mais c'est quand même du trésor, du bon trésor. Avec ceci qu'on peut trouver. Alors pour ça, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Alors pour ça, mais là, on va arrêter que je pense ça fait 50 minutes que je tourne. Pour vous, beaucoup moins. Une mise à jour que j'adore vraiment. Je suis bien content en plus de trouver un épave auquel que j'ai pu faire chercher un trésor. Je suis bien content. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur, plus précisément sur comment bien commencer à Minecraft. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.